Les universités d'été de la Naples, c'est la troisième fois que je viens. Qu'est-ce que j'y trouve? En fait, c'est quelque chose d'assez particulier parce que les publics qui sont rassemblés sont assez variés. Et c'est ça qui me plaît, parce qu'il y a à la fois des institutionnels, des professionnels de terrain et des usagers. C'est ce côté extrêmement ouvert qui me plaît, qui me permet d'avoir une vision large sur les enjeux d'aujourd'hui auxquels je dois réfléchir en tant que gestionnaire. Pour moi, les innovations, ça permet deux choses. Ça permet d'une part de mieux répondre aux usagers, de répondre de manière plus complète à l'ensemble de leurs besoins, qui sont très variés, qui ne sont pas uniquement des besoins médicaux, des besoins de santé. Le deuxième intérêt de l'innovation, c'est la performance. C'est tous les gains que ça peut rapporter pour le système de santé. Donc pour moi, vraiment, il y a ces deux piliers dans l'innovation, la réponse aux besoins et la performance. Je recommanderais bien sûr de venir à ces universités d'été, puisqu'on trouve dans ces universités d'été quelque chose d'assez particulier, une mixité des profils des participants et des intervenants d'ailleurs, mais également aussi des ateliers avec des retours sur des expériences terrain qui sont extrêmement enrichissants et qu'on peut reproduire ensuite dans d'autres contextes. Ça permet d'avoir un retour très concret sur ce qui est possible sur le terrain, ce qui est faisable, ce qui fonctionne.